C'est une véritable fête du football qui a eu lieu en fin de semaine dernière sur le stade du Faubourg de Verdun à Pontivy à l'occasion du tournoi international de Guerre-les-Dents. Cette édition 2023 a accueilli 128 équipes masculines et 80 équipes féminines dans la tranche d'âge de 11 à 13 ans. Plus de 10 nationalités réparties sur les 4 continents ont été représentées cette année, mais aussi 51 départements français. C'est 25 000 personnes qui sont rassemblées, concernées, c'est 900 bénévoles impliqués. C'est un territoire qui se rassemble au cœur de la Bretagne, entre Côte d'Armor et Morbihan. C'est la passion du ballon rond qui a fédéré petits et grands pour un moment sportif et convivial où l'on vient soutenir les jeunes équipes, mais aussi passer du bon temps. Et la compétition a été rude. Malgré leur jeune âge, les participants se sont donnés à fond pour représenter leur club et ont déjà tous des joueurs pros. Leur esprit sportif et leur engagement suscitent l'admiration. Ils ont sans doute été une inspiration pour beaucoup de jeunes venus assister à l'événement. Le 11 juin, c'est sous un soleil magnifique que plus de 5000 personnes ont assisté au dernier match et à la grande finale, où le ballon du dernier match est arrivé par les airs, puisque ce sont 4 parachutistes qui ont atterri sur le terrain devant un public ébahi. Il y a un beau plateau féminin cette année, énorme, avec une qualité sportive et je trouve que le féminin va se développer grâce à ça. Il y a le niveau sportif où ils gagnent, ils sont heureux de gagner le tournoi, mais il y a des liens humains derrière aussi. Chez les garçons, c'est l'équipe espagnole de la Deportivo La Corogne qui a emporté la coupe avec une victoire 1-0 contre le Nîmes Olympique. Et chez les filles, c'est l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 2-0 face aux Espagnols du Girona Football Club. Après le titre de championne de France la semaine dernière, on s'est dit comment on va arriver là avec beaucoup d'énergie gaspillée la semaine dernière. Et elles ont su retrouver les ressources pour aller chercher un tournoi qui est très très dur, très compliqué. Il y a beaucoup de matchs et l'adversité est très forte, donc on peut être que fiers d'elle. Ouais. L'édition 2023 du tournoi international de Guerre-les-Dents est déjà terminée et on a déjà hâte à l'année prochaine. Le football, c'est la fête. La fête, c'est le football.